Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Il faut que je me confesse, il faut que je vous dise encore des choses. Écoutez-moi bien. Mes frères et sœurs, faites vraiment grave attention, surtout ces derniers temps. Il y a des femmes sorcières là dehors, avec des filles sorcières là dehors, qui cherchent à séduire les gens. Toi, tu peux être un homme marié ou un jeune gars comme moi. Et ces jeunes filles, elles sont là à traîner là dehors et séduire tout ce qui passe, tout ce qui passe. Mon ami, ne tombe pas dans le piège de la séduction. Si tu es une femme, lâche-toi à la maison. Contente-toi de ta femme. Même explique-lui tout ce qui s'est passé. Mais toi, ne tombe jamais dans les plans. Ne tombe jamais dans les plans de ces filles sorcières qui sont là dehors pour séduire les gens n'importe comment. Avec de ces machins bizarres. Nous ne comprenons pas les pantalons, des trucs collants comme ceci, comme cela. Mon frère. Bon courage, sois fort, sois fort. Que j'ai de la force de surmonter tout ça. Mais le plus grand problème, c'est que moi-même, j'ai rencontré une telle situation. J'étais sorti, j'allais faire des courses. Et quand je suis descendu du véhicule, je me suis tout simplement mis à marcher. Lorsque je me suis rendu compte que là devant moi, se trouvait une fille qui marchait. La fille là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle lui a fait. Elle va appuyer sur la derrière, non? Elle est devant. Celle-là, maintenant, elle va commencer à se déhancher, à marcher d'une manière. Quand j'ai vu ça, moi-même, ça me disait rien. Ça me disait absolument rien. Mais comme elle faisait trop de bruit là, je pouvais quand même savoir que. Une fille qui est là devant moi et elle cherche à ce que je lui dise un mot, mais un mot va pas sortir de ma bouche parce que ma bouche est la bouche de Dieu. Que Dieu, tu sanctifies toujours ma bouche. Et puis elle était marchée à un moment donné. Je l'ai dépassé d'une manière encore. C'était une voiture que je faisais un dépassement quand je l'ai dépassé là. Là, elle a fait sortir maintenant son vrai visage. Celle-là, elle m'a montré son vrai visage. C'était une sorcière même qui était là. Elle a commencé à m'attaquer de toutes les manières dans la sorcellerie. Moi, je sais comment ça se passe. Moi, je sais comment les sorciers m'attaquent. Moi, je sais. Elle a commencé à m'attaquer. Jean, toi, une fille s'approche de toi, elle te drague et puis tu refuses. En même temps, tout à coup, elle commence à t'insulter. Jean peut te dire, regarde-moi ce salaud-là. Mais c'est parce que je t'aime que tu me mets dans les problèmes. Mais c'est parce que je t'aime. Moi, je suis là pour ta thune. Ah, sérieux? Sérieux? Elle va te cracher au visage pour dire, oh, moi, j'étais juste là pour ta thune. Hein. J'étais juste une mentir, te mentir. Parce qu'il voulait prendre ton argent. Hein? C'est ce qu'on appelle aussi recevoir des attaques. Si le diable se déguise en femme pour venir vous séduire et que vous résistez, voici ce qui se passe après. Ce qui se passe, c'est quoi? Il vous attaque. Il vous attaque bien même. Parce qu'il a échoué, ça lui fait mal. Et il a pris juste le corps d'une femme jolie. Que vous pouvez même voir qu'elle a qui marche devant vous. Faites attention. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites grave attention. Hein. Faites grave attention. Hein. Je sais que c'est pas facile. Je le reconnais. La tentation. Une chose terrible. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis Seigneur. Nous en avons arrivé. Et quand la fille m'a attaqué, en ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit? Automatiquement, je me suis dit, hey. Hey! Donc, c'est moi. Je vais ouvrir ma bouche pour aller lui dire quelque chose là. Donc, on va dire que ce serait sur un serpent que je serais tombé. Sur un serpent. Sur une sorcière. Donc, il y a beaucoup de sorcières là-dedans. Quand elles font tout pour essayer de vous séduire que c'est chaud, elles commencent à vous attaquer. La première fois quand ça m'est arrivé, je n'ai rien dit. Mais hier, yeah, non, c'est pas possible. Hier encore, ça s'est passé.
Non, là, la main, ça m'a même fait mal. Et quand ça se passe là, si vous avez les yeux spirituels, que vous connaissez les signes de la sorcellerie ou les signes du diable, vous allez facilement savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare même à 100 mètres. Oui, à 100 mètres. Vous pouvez sentir ça. En tout cas, moi, je sens ça. Ouais. Voilà, toi, moi, je suis la femme constante, maintenant tout. Que Dieu me pardonne. Mais oui, yeah. Ça non, ça m'a trop fait mal quand je suis en train de vous dire, ça m'a fait mal, hein. La fille, elle est sortie, elle a porté une robe, genre une robe de petite fille là, la robe blanche pour la petite fille, vous voyez, quand elle tourne comme ça roule, ça fait marcher, bon, les frères connaissent ça. Et elle marchait juste là devant moi, mais là moi, je souhaitais encore acheter quelque chose. Quelque chose d'important. Et j'essayais de répondre mes esprits parce que là encore, je venais de me réveiller et depuis toute la journée, je n'étais pas sorti. Maintenant, elle sort d'un couloir là-bas, elle se met sur la route et puis elle commence à faire des bruits bizarres pour genre attirer l'attention des gens qui sont autour. Alors que c'est moi qui suis autour. Alors c'est moi qui suis là. C'est moi qui suis là. Ah, qu'est-ce que c'est pas toi? Et j'ai encore senti que la fille. Elle était encore venue pour séduire. J'ai senti même que là, c'était une autre sorcière encore. Une autre sorcière. Mais, quand tu n'as pas la preuve, tu ne peux pas trop parler. Après, quand j'étais arrivé presque à son niveau, bizarrement, comme moi-même, je t'ai dit après, c'est là. J'ai mis dedans. J'ai dit, accéléré d'une manière, non. Dès que je commençais à marcher rapidement, là. Hey. C'est comme si elle venait d'échouer à sa mission. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour encore relever le défi, encore corriger l'immense affront. Elle a commencé à m'attaquer d'une manière. Tout ça dans la sorcellerie. Elle a commencé à m'attaquer. Hein? Hein? Elle ouvre pas la, elle n'a pas ouvert la bouche. Hein? Mais c'est dans la sorcellerie. Je connais comment ces gens-là attaquent. En fait, elle me lançait des flèches à la sorcellerie. Une sorcière. Qui était venu pour me séduire. Mais moi, ça n'a pas réussi. Comme ça n'a pas réussi, elle me lance des flèches. Alors qu'on ne se connaît même pas. Peut-être elle me connaît, moi je ne la connais pas. Comme elle est sorcière, elle sait qui je suis. Elle sait qui je suis, mais moi je ne sais pas qui elle est. Soyez prêts, écoutez-moi bien. Les sorcières qui sont là dehors en train de faire ça aux gens, surtout aux maris des gens là, elles savent que vous êtes bien mariés. Elles savent bien que vous êtes bien. Elles vous connaissent très bien. Elles sont bien informées sur vous, sur ce que vous aimez. Si vous aimez les fesses des femmes, vous êtes foutu. Parce que le diable va mener là devant vous. Les filles, les fesses des femmes. Si c'est ça, vous aimez. Ah là, comme vous avez bien foutu. Là, maintenant, elles vont même venir devant vous comme ça. Puis elles disent, regardez mes seins. Chérie, regarde mes seins. Si vous aimez les dos des femmes, elles vont porter un vêtement qui s'appelle Chérie, regarde mon dos. Maintenant. Si malgré tout ça, elles échouent, hey, de la manière, elles vont commencer à vous insulter d'une manière. Elles peuvent insulter quelqu'un là-bas, mais tu vois l'impression que c'est toi l'insulte. C'est toi l'attaque. Ce sont les choses qui arrivent. Surtout quand vous connaissez les signes de la sorcellerie, là même, on vous lance des flèches n'importe comment. Tout ça pour vous dire, mes frères, vraiment, quand on dit c'est pas tout ce qui brille que de l'or, c'est vrai, croyez. Si toi, Dieu t'a donné une bonne femme, malgré toutes les mauvaises personnes qu'il y a sur la tête, Dieu a réussi à te donner une bonne femme. Mon ami, mets-toi à genoux, bénis Dieu. Bénis Dieu. Surtout si elle prie, mais vous-même, bénis Dieu. Mais ne tombe pas sur ces sorcières, ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas avoir. Elle peut avoir une belle parole, une belle voix. Quand elle te parle comme ça rentre dans ton cœur, ça te fait trembler. Tu te dis, ça, c'est comme un ange. Hein? Mon ami, ça peut être le diable. Fais attention. Elle est là, elle peut même bien s'habiller, elle peut même tout le temps te parler de Dieu, elle peut même tout le temps te dire, à chaque fois que tu l'appelles, tu lui dis, oh, à chaque fois que tu l'appelles, tu dis, oh, je vais à l'église. Les filles qui parlent comme ça, bah, elles sont les sorcières. Faites grave attention aussi, c'est pas tout ce qui brille que de l'or. Les filles qui vont à l'église, tout le temps, vous les appelez, elles ont là, tu lui dis, oh, je suis allé chanter à l'église, je suis dans la chorale, fais attention, hein. Ne dis pas qu'on t'a pas prévenu, fais grave attention. Je veux savoir quel est son état d'âme. Est-ce que c'est une sorcière ou pas? Si Dieu t'a dit que c'est une sorcière, même si elle est belle, même si elle est quoi que ce soit,
Tu vas tourner, tu vas descendre. La volonté de Dieu va s'accomplir. Si Dieu dit, ne veut pas d'elle auprès de toi, il ne va vraiment pas permettre que vous soyez ensemble. Et si toi, tu t'entêtes à aller vers elle, tu vas prendre le but, tu vas revenir sur ce que Dieu t'a dit. C'est l'épicentre. Qu'est-ce que tu veux? Il est au carrefour, il t'attend. Le monde fait peur. Le monde fait grave peur. S'il y a beaucoup de divorces à cause de beaucoup de sorcières qui sont là dehors pour détourner les gens, pour détruire la vie des gens, vraiment, faites grave attention. Aussi, ce que j'aimerais partager avec vous, il y a beaucoup de choses à vous dire. Abonnez-vous, activez la cloche et on verra. On verra, ok? C'est parti, soyez vigilants.